Salut à toi, je te propose ce petit tuto pour améliorer ton drone DJI Avata. Si tu trouves comme moi qu'il manque de puissance, de pêche, c'est la manip pour rajouter, remplacer les moteurs d'origine par des moteurs plus puissants, les Axie Flying C157. Donc voici comment je te déconseille de le faire si jamais ton drone est encore sous garantie ou si tu disposes du DJI Car Refresh. Ça annulerait dans ce cas-là. Ok, bon, on y va. J'ai déjà dégrossi le démontage, comme tu peux le voir. Donc, si tu as besoin d'aide pour démonter ce que j'ai déjà démonté, tu peux trouver facilement en fin de vidéo au niveau du remontage et faire l'inverse. Donc là, j'enlève les quatre moteurs, les petites vis de tous les moteurs. Et maintenant, tu as désassemblé l'électronique du châssis. Voilà. On va ouvrir le boîtier pour pouvoir accéder à la platine ESC des quatre moteurs pour pouvoir les dessouder et ressouder les quatre Axie Flying. On peut voir que les moteurs sont un petit peu légèrement plus gros et surtout de meilleurs. Donc là, tu peux enlever les protections thermiques qu'il y a sur les pattes de soudure. Pour dessouder, tu auras besoin d'un fer à souder et un peu d'étain. Pour ramollir l'étain existant sur la carte ESC des moteurs. Surtout avant de mettre ton moteur à la place de l'origine, coupe déjà les fils à la bonne distance en le mettant dos à dos du moteur existant. Et ensuite, tu peux déjà dénuder tes moteurs et les étamer fil par fil avant de les mettre sur la platine ESC. Ce sera plus facile pour le remontage après par la suite, pour ne pas avoir trop de fils, trop de longueur. Tes moteurs Axie Flying n'ont pas de sens. Tu peux très bien les mettre comme tu veux. Ils n'ont pas de sens de rotation, quoi. Moi, j'avais de la peinture orange, donc j'ai repéré deux moteurs que j'ai choisis au hasard sur les quatre, que j'ai peint l'axe en orange pour retrouver le même repère que l'origine. Attention à ne pas mettre d'étain partout sur la platine ESC et ni de faire de trop gros pâtés, car le boîtier est quand même en aluminium, donc conducteur.
moteur Axie Flying, tu les trouveras pour environ 70€ dans le commerce, soit sur AliExpress ou autrement des sites comme Drone Par Center, je crois qu'ils les ont aussi, ou la caméra embarquée peut-être. Attention, tu vas retrouver beaucoup plus de puissance, de reprise avec ton DJI Avata, mais attention à ne pas trop faire des pointes et solliciter trop longtemps les batteries, parce que les batteries ne tiennent pas beaucoup. Si tu insistes trop, tu pourrais abîmer, endommager les cellules, car les batteries n'ont pas été faites, prévues, conçues pour ces moteurs-là. Mais par contre, à l'utilisation normale, ça marche très bien. Moi je l'ai fait, je l'utilise maintenant depuis 2-3 mois comme ça, et j'ai aucun problème au niveau des batteries ni du drone en lui-même. Voilà, maintenant que tu as soudé tes 4 moteurs, il faut repositionner les petites protections en caoutchouc noir, scotch un peu, pour que ça couvre bien les pattes de soudure, surtout au niveau du pincement du boîtier. Voilà.
Ensuite, tu n'as plus qu'à remettre les quatre vis qui tiennent la protection d'hélice. Si tu as aimé ce tuto, n'hésite pas à t'abonner pour à commenter ou liker la vidéo. J'ai d'autres aussi vidéos de réparation sur l'avatar, par exemple un crash dans l'eau. Suite à ça. Et n'oublie pas de ne pas trop solliciter pendant les vols au niveau de la batterie, surtout à fond pendant une longue durée. Ça pourrait endommager très rapidement tes batteries.